À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. C'est tout prêt. La pratique du journal filmé rejoint celle de la peinture. Chaque épisode est composé de couches successives, images, sons, voix off. Filmeur et peintre travaillent avec le temps. En peinture, la couche la plus ancienne est masquée par la plus récente. Tout comme dans le journal filmé, le dernier épisode masque les plus anciens. Pour constituer une géologie imaginaire et provisoire de l'existence du filmeur, d'un être au monde, parcourant les mêmes lieux, répétant les mêmes gestes, prononçant les mêmes paroles, usant des mêmes mots, jusqu'au dédoublement. Dédoublement et multiplication, principe cinématographique qui produit l'illusion du mouvement. Le journal filmé est une illusion,
qui parvient à faire cohabiter dans le même cadre les personnages des tableaux depuis longtemps disparus et les visiteurs présents dans la salle du musée au même instant que le filmeur. De la fenêtre qui est ouverte.